Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire? Eh bien, procéder avec méthode, prudence et célérité. Oui, mais encore? Et tâchez de savoir ce qui se passe au quartier général des Babus. Ou présumez-t-elle? Oui, enfin, ça revient au même. Attention, hein. Allez-y, mou. Vous y êtes déjà allé. Ah ouais, on a fait que se renseigner superficiellement. Cette fois, on y va en client. Ben, on va s'y ouvrir un compte régulièrement à l'Union bancaire autonome de Bourse. Et puis après, on verra bien. Oui, on essaiera d'y voir clair. Et vous y allez quand? À tout de suite. C'est encore nous. Bonjour. Encore vous, c'est-à-dire? Ben, on est déjà venu il y a un mois pour vous demander un renseignement. Vous vous rappelez pas? Vous savez, monsieur, si on devait se rappeler toutes les têtes de tous les gens, on aurait le cerveau plus farci qu'un classeur. Oui, mais on vous demande pas de vous rappeler toutes les têtes de tous les gens, on vous demande de vous rappeler les nôtres. Ben, en ce cas, messieurs, laissez-moi votre photo, je l'épinglerai au pied de mon lit. Dites donc, jeune malin, gardez vos bons mots pour votre jour de sortie et ouvrez-nous un compte. Mais parfaitement, messieurs, à quel nom? Black and White. Bon, ben tant pis, d'accord. Bon, parfait. Alors, Black and White. Black and White. D'accord. Je suis ravi de voir que vous vous êtes mis d'accord sur vos noms. Est-ce qu'il vous faudra un coffre, messieurs? Un coffre? Oui, un coffre-fort. Ah oui, pourquoi pas, hein, coffre. Bon, d'accord, mais en ce cas, remplissez cette fiche. Oui. Voilà, messieurs, tout est réglé. Combien déposez-vous pour provisionner le compte, messieurs? 8,5 millions. Bon, nous disons donc 8,5 millions. Plus un dollar en argent qui me vient de mon grand-oncle. Oui, oh ben ceci, vous avez intérêt à le laisser dans votre coffre. D'ailleurs, voici la clé. Vous choisirez vous-même la combinaison. Par ici, messieurs. La salle des coffres est au sous-sol. Ah bon. Par ici. Voilà. Permettez, c'est la grille de sécurité qui protège la salle forte. Notre système de protection est imbattable. Parfait. Voilà votre coffre. Ah, c'est le F. Vous pouvez mettre le chiffre qui vous plaira. Je m'éloigne pour vous laisser en convenir. Le chiffre doit rester votre secret, monsieur. Ah bon. Et qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Je sais pas, il y a qu'à mettre Jérémy d'Arpétade, hein. On lui doit bien ça. Oh, t'es fou, il y a que cette lettre. Et... Bah alors, Yolande. Ah non, je t'en prie, Black, hein. On va pas recommencer. Oh, bah ça faisait juste cette lettre. Non, car écoute, tu sais, on va mettre Pchit, hein. P-S-C-H-I-2-T, ça fait le con. D'accord? Ah ouais, d'accord. Pchit, oui. Bon, attends, oui. Alors. P-S-C-H-I-T-T, voilà. La serrure est réglée. Voilà, attends, je mets mon dollar dans le coffre. Là, on claque la porte. Et on brouille le chiffre. Là, ok, tu peux rappeler l'employé. Oui, et... monsieur. Et, jeune homme. Oh. Ça y est. Eh ben, dis donc, Black. Oui. Et la grille? Nom d'un chien. Mais on dirait... Mais c'est pas possible! Ah, ben si, vieux, elle est fermée! Oh, attends. Oui, aide-moi. Oui. Voilà. Ah, t'en fiches, rien à faire, mon vieux! Fermé à clé? Eh ben, il est méfiant, le gars! Oh, ben pourvu qu'il nous oublie pas, dis donc! T'en rends compte, c'est. Ah, ben non! Ah, le voilà! Ah, et ben alors, jeune homme, vous nous laissez vieillir en cave? Allez, ouvre vite, là, on a serré! Je regrette, messieurs, mais la direction de l'UBAB ayant été consultée, il a été décidé de vous laisser ici jusqu'à nouvel ordre. Quoi? Mais oui, messieurs. Mais pourquoi? Pourquoi? Vous êtes bien, messieurs, Black and White? Oui. Et vous demandez pourquoi? Et au concert, qu'est-ce qui vous prend? Ben quoi, vous voyez pas qu'on est enfermé, non? Eh ben, bien sûr que je le voyais, c'est pas une raison pour gueuler comme ça. Mais on veut sortir. Allez, je vous en empêche pas. Allez, sortez, messieurs. Mais ouvrez-nous la porte, ah alors. Ben, je regrette, messieurs, je demanderai pas mieux personnellement. J'ai rien contre vous. Ben alors. Seulement, hein, j'ai un ordre de monsieur Psaff, ça se discute pas. Monsieur Psaff, le revoilà, le gentil coquin. Ce coup-ci, j'ai l'impression qu'on le possède plus, hein. Alors voyons, gardien, un bon mouvement, quoi. Vous avez l'air d'un brave homme. Mais je suis un brave homme. Mais monsieur Psaff... Écoutez, ouvrez au moins la porte et venez nous tenir compagnie. Allez, Fairbottom, messieurs, pas question. Vous devez rester bouclé à l'intérieur et moi dehors.
Les ordres, quoi, vous comprenez? Ah ben, on peut pas faire un échange, hein? Nous dehors et vous à notre place, quoi, ça reviendrait au même. Ben moi, j'y vois pas d'inconvénient. Mais je vous le répète, les ordres. Si Monsieur Psaf vous a mis là, c'est qu'il a ses raisons. Bah oui, mais... Allez, allez, prenez patience. Oh. Quoi, allez, vous n'êtes pas bien, là, tranquille et tout, alors? Oui, évidemment, bien sûr, je m'en... On préférerait... Oui, je suis de votre avis, mais... pas hein, bah, les ordres. Oui, les ordres. Hein, c'est pas tout ça, mais c'est l'heure du casse-croûte. Permettez... Je vais me taper un sandwich. J'ai une de ces fringales. Bah, et nous, donc fallait le dire. Vous en voulez un bout? Non, pas vous en priver. Non, monsieur, j'en ai plein de caisses là-haut. Non. Mais, monsieur, pour me faire plaisir. Ah. Hein, tenez, goûtez-moi ça. Excellent, hein? Délicieux, voilà. Oh, là, il est à quoi, votre sandwich? Un bouillon de légumes. Fameux. J'en ai jamais mangé d'aussi bon. Ah, mais c'est que, en art culinaire, j'en connais un bout. Ah, ça se voit. Gourmand, hein? Mieux. Gourmet. Ah, on est comme vous, vous savez, nous. On sait apprécier. Et c'est justement pour ça que ça nous fout en rogne d'être enfermés. Oui, comment ça, je comprends pas. Bah. Eh ben voilà, pas notre cuisinière vous avait préparé pour ce soir un quoi? On lui dit wait. Oui, allez, quoi, entre amateurs, pas de secret, quoi, allez. Un soufflet aux tripes. Un soufflet aux tripes. Ouais. Oh, ça doit être du tonnerre. Oh là, comme vous dites. Oh. Un soufflet aux tripes, vous comprenez? Alors, ça nous embête. Notre pauvre cordon bleu doit se faire un sacré mauvais sang. Oh, bah, je comprends. Oh, un soufflet aux tripes. Merde. Rien que d'y penser, l'eau m'en vient à la bouche. Ouais, hein. Non, ça c'est vraiment dommage, oui. Dites-donc une idée, gardien. Ouais. Si vous lui donnez un coup de fil à notre cuisinière, hein, de la part de Black et White. Ah, bah ça c'est pas impossible. Comment qu'elle s'appelle, votre cuisinière? Socrate. Bon, alors je demande même Socrate. Non, Socrate, tout simplement. Ouais. C'est, tout le monde l'appelle comme ça, Socrate. Oui, mais alors, et vous épatez pas, elle a une voix grave, hein. Oh là. Oh oui, on dirait une voix d'homme. Oh, oui, bon. Et bien alors, en plus, si elle comprend pas tout de suite. Ah, hein, je vois, un peu dur de la feuille. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que j'y dis? Eh ben, qu'on est retenu, pas qu'on sait pas quand on pourra venir. Et alors qu'elle se débrouille pour limiter les dégâts en ce qui concerne le soufflet aux tripes. Bon, eh ben, j'y vais, hein. Oh, gâcher un soufflet aux tripes, mais c'est un crime. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et pourquoi pas de nous aider financièrement.